Can you please replace the microphones of the No, elle m'écoute pas. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre. Alors maintenant, il s'agit de la séance sur les droits de l'homme et la jeunesse et nous allons avoir une discussion très intéressante sur ces sujets. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment nous allons travailler cet après-midi, je vais donner la parole à Renata. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à cette euh, séance principale sur la jeunesse et les droits de l'homme. Je voudrais brièvement vous expliquer comment nous allons travailler. Vous avez ici nos intervenants qui euh, vont s'exprimer dans l'ordre dans lequel ils sont assis, de la, euh, ma droite à ma gauche. Et ils auront chacun trois minutes et puis ce sera à vous. Vous avez là un siège qui est à vous. Nous aurons un micro baladeur et nous allons vous le passer pour que vous puissiez contribuer à ce sujet. Et le sujet, ce sont donc les droits de l'homme, le genre et la jeunesse et le lien direct avec la gouvernance de l'Internet. Alors, j'espère que vous allez devenir un intervenant aujourd'hui, euh, vous joindre à cette équipe formidable et que nous aurons un excellent débat. Merci infiniment, Renata. Alors, comme vous le savez, l'IGF a été critiqué, et notamment pour ce qui est du manque de résultats concrets par le passé. Mais il y a des domaines pour lesquels c'est particulièrement important. Et nous avons quelques initiatives où le forum a permis de progresser sur certaines questions telles que le genre, la jeunesse et les droits de l'homme. Nos intervenants lors de cette séance vont d'abord répondre à trois questions proposées pour le panel. D'abord, comment est-ce que les droits de l'homme le genre et la jeunesse sont connectés à la gouvernance de l'Internet. Deuxièmement, qu'est-ce qui a été fait euh, à ce, cette croisée des débats à mettre en lumière dans le domaine des politiques Et troisièmement, qu'est-ce qui manque de façon urgente dans ce débat qui doit également être formulé euh, ou euh, intégré, euh, développé comme politique Merci. Alors, on commence ici. Madeleine McSherry. Je suis chargée d'affaires publiques pour le panel de haut niveau sur la coopération numérique, la nouvelle initiative du secrétaire général qui doit co-créer une série de recommandations de politique dans le domaine numérique. Nous avons établi trois domaines principaux. Tout d'abord, les valeurs et principes de la coopération numérique qui se réfèrent d'ailleurs, à la collaboration multipartie prenante euh, dans ce, euh, ce cadre. Deuxièmement, les mécanismes et puis les domaines d'action prioritaires et dont notamment les euh, droits de l'homme et le facteur humain. Alors, je suis ici en tant qu'intervenante, mais en réalité, je suis ici surtout pour écouter. Parce que dans notre co-création de ces recommandations de politique, nous souhaitons véritablement entendre les parties prenantes. C'est là qu'interviennent le genre et la jeunesse. Nous essayons de cibler les groupes sous-représentés pour entendre leur voix et euh, intégrer leur contribution à ce débat. Alors peut-être simplement quelques points qui ont émergé de nos consultations. Tout d'abord, se concentrer sur les droits de l'homme euh, et sur le facteur humain spécifiquement. C'est-à-dire qu'on va parler d'accès, mais. Euh, la question importante, c'est euh, quel est notre rôle dans euh, notre utilisation de cet accès euh, Comment l'utilisons-nous Deuxièmement, euh, il faut faire en sorte que euh, nous utilisions les technologies pour le mieux tout en comprenant ses limites. Et troisièmement, le retour aux structures analogiques euh, de, stru de protection des droits de l'homme, euh, les renforcer pour soutenir euh, la charge numérique. Alors, le plus important pour moi ici, c'est notre stratégie d'ouverture, euh, entendre véritablement les groupes sous-représentés, que les voix des femmes traditionnellement marginalisées soient incluses, mais aussi entendre les voix des jeunes. Merci. Merci. Alors, effectivement, ces dimensions, ce sont les questions les plus difficiles. De, euh, du principe multipartiprenante de manière générale, aussi bien que l'Internet. Deuxièmement, John Carr, qui euh, est euh, chercheur euh, et euh, qui s'occupe des droits de l'enfant en particulier. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas dans la salle lors du panel précédent, je représente. Euh, une ONG internationale mondiale basée à Bangkok, en Thaïlande. Nous avons des organisations membres dans plus de 120 pays différents sur tous les continents. Euh, nous visons à mettre un terme au trafic des enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie et certaines questions dont traitent nos organisations membres dans les divers pays, les divers régions. Du monde, comme vous pouvez l'imaginer, euh, sont euh, certains des volets les plus sombres de ce qui peut arriver à un enfant sur Internet ou hors Internet. Et évidemment, la protection des enfants, la sécurité et le bien-être des enfants sont la préoccupation principale de Ecpa International et, et de ce que nous faisons. Mais ce serait une erreur, une erreur commune d'ailleurs d'imaginer que nous ne voyons l'Internet que comme une menace, une source de danger pour les enfants et les jeunes. C'est tout le contraire. Nous voyons quelles sont les opportunités euh, extraordinaires que la technologie peut offrir aux enfants, surtout euh, dans les groupes sous-représentés ou marginalisés, pour lesquels c'est parfois le seul moyen d'accéder à des informations sur leurs droits défendre ses droits, obtenir des informations sur la santé, euh, euh, s'ouvrir des opportunités, etc., etc. Donc nous voyons cette dimension positive euh, de l'Internet pour les enfants et les jeunes de par le monde. Et euh, notre pierre angulaire, en quelque sorte, est euh, la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Euh, L'une, je crois, des conventions les plus... Plus adopté et le plus rapidement dans l'histoire des Nations unies. Et euh, c'est un texte qui, sans ambiguïté, sans équivoque, affirme les droits de l'enfant à accéder à, aux informations, quelle que soit la source ou le média utilisé, et qui parle également du droit euh, de réunion, d'association et d'expression des enfants par le biais de tout média disponible. Et pour nous, ces droits de l'enfant, sont fondamentaux, ils ne sont pas subordonnés, ils ne sont pas distincts, ils sont particulièrement importants, mais ils n'ont de sens réel que si les enfants peuvent véritablement en jouir, et ça dépend de l'environnement et de la sécurité de cet environnement, c'est pourquoi... Une partie de notre travail, effectivement, se penche sur la protection euh, euh, et ce type de considération. Mais il s'agit toujours euh, de, euh, de garder l'équilibre, parce que vous pouvez protéger les enfants de tous les risques potentiels à perpétuité en les enfermant dans une chambre et en ne les laissant jamais sortir. C'est une démarche inacceptable et stupide. Et évidemment, il ne s'agit pas du tout euh, de la façon de procéder il faut procéder de façon équilibrée. Alors. Je voudrais également revenir sur la gouvernance de l'Internet, puisque c'est tout à fait le, le sujet qui nous occupe. Très brièvement, vous aurez peut-être compris de ma description d'équipe internationale que certains de nos membres travaillent dans des régions difficiles et dangereuses et dans des situations difficiles et dangereuses. Mais je voudrais aussi vous parler de certaines de nos organisations membres en Europe. Euh, certaines de nos organisations, chaque euh, centime, euh, chaque cent, chaque penny, chaque ce que vous voulez, chaque euh, euh, copec est donné par le public. Et euh, ils n'obtiennent absolument rien de la part des gouvernements. Et c'est le public qui les finance. Le public les finance parce que le public veut aider ces organisations à aider les enfants. Et certains de nos membres, par exemple, travaille presque exclusivement avec des enfants en camp de réfugiés, des enfants qui arrivent de Syrie, du Moyen-Orient pour échapper à des zones de guerre et qui ont traversé la Méditerranée pour ceux d'entre eux qui ne sont pas morts en chemin et qui vivent maintenant dans des conditions absolument atroces euh, avec toutes sortes de dangers et nos organisations Trouve des financements et des fonds pour aider ces enfants dans ces camps de réfugiés. Et c'est très difficile de dire à ces organisations écoutez, arrêtez de dépenser de l'argent pour ça envoyez John au Brésil, ou en Australie, ou à San Diego, ou ailleurs, pour parler à Google, ou à Microsoft, ou aux Nations Unies pour leur dire comment euh, euh, faire en sorte que l'Internet fonctionne mieux pour les enfants. C'est tout simplement ni raisonnable, ni réaliste. De demander à ces organisations qui protègent les enfants d'utiliser les ressources dont ils ont besoin pour ça ou pour aider euh, à donner une, une psychothérapie à un enfant qui a été abusé sexuellement. C'est la réalité, c'est la réalité de euh, ce que nous faisons. Euh, euh, bon, moi je suis euh, à Londres, je suis britannique, venir à Paris, c'est pas difficile, ça coûte pas très cher, mais on ne peut pas participer. À un certain nombre de structures qui s'occupent de gouvernance de l'Internet, si on n'a pas l'argent pour payer le déplacement, euh, l'hébergement, etc. Et je sais que l'IGF et l'ICAN et d'autres ont des bourses euh, euh, qui euh, se concentrent, et c'est tout à fait juste, pour, euh, sur les pays en développement et pas les pays riches. Mais les organisations qui défendent les enfants euh, en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis ne sont tout simplement pas équipées, n'ont pas les ressources pour. Euh, participer à ces forums sur la gouvernance de l'Internet. Donc tous les magnifiques discours que nous avons entendus sur euh, euh, l'importance de cette question n'ont jamais abouti nulle part. Euh, et euh, ça me démontre à mes yeux que ce n'est pas une priorité, parce que si c'était une priorité, ce serait fait. Donc ma dernière illustration de ce point, mondial, la déclaration de NetMondial 2014. Vous vous souviendrez, pour ceux d'entre vous qui connaissaient un peu l'IGF depuis un certain temps, normalement, il y a un IGF tous les ans. En 2014, il y en a eu un deuxième et qui s'est tenu au Brésil, à Sao Paulo. Alors, nous, on a un budget pour un IGF par an, pas pour deux. On n'a pas pu aller à Sao Paulo, on n'avait pas l'argent. La déclaration de Net Mundial... Et toute personne que je connais dans euh, la gouvernance de l'Internet nous dit ⁇ Ah, c'était fantastique, c'est la meilleure expression euh, des principes de la gouvernance de l'Internet qui ait jamais été euh, produite par euh, des efforts humains. ⁇ Quel est le mot qui manque dans ce texte L'enfant ou l'enfance ou la jeunesse. Ce mot n'apparaît nulle part dans ce texte. Pourquoi parce qu'aucune organisation représentant les enfants n'était dans la salle pour les rappeler. Ça ne veut pas dire que les gens qui étaient à Net Mundial étaient de mauvaises personnes qui ne se préoccupent pas des enfants, pas du tout. Ça veut dire que les gens qui étaient là avaient un point de vue à défendre, une organisation qui les avait envoyés pour atteindre un objectif particulier qu'ils ont, je pense, atteint, mais qu'il n'y avait personne dans la salle, qui était venu spécifiquement pour être la voix des enfants, parler des droits de l'enfant, et c'est pourquoi ils ont été entièrement oubliés. On a parlé des droits des personnes handicapées, euh, 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 on a parlé des personnes sous-représentées, etc. J'en suis ravie, ce n'est pas une concurrence entre les différents groupes euh, désavantagés. Mais les enfants n'ont jamais été mentionnés dans cette déclaration. Et ça, c'est à mes yeux une défaillance grave, je pense, de la part de tout le monde. Euh, euh, que disait Jerry tout à l'heure Rien sur nous sans nous. Ça me plaît beaucoup, je vais m'en servir. C'est excellent cette phrase. Il faut qu'il y ait les voix dans la salle de ceux qui ne sont jamais entendus. Merci. Merci John, merci de cet effort d'équilibre entre l'accès l'accès sans pour autant mettre en cause le développement et également d'avoir soulevé ces questions si cruciales lors de cette séance. Euh, à, à savoir euh, euh, comment le travail que vous faites est lié à la gouvernance de l'Internet et qu quelles sont les lacunes, qu'est-ce que nous n'avons pas euh, bien fait. Alors, Marianne Franklin de United. Ah, je parlerai maintenant en anglais et j'espère lentement. Um, I thank you Merci à tous. Alors, pour moi, c'est un très grand honneur d'être ici sur, euh, pour cette séance sur la jeunesse. Je représente le réseau, réseau académique de la gouvernance de l'Internet en tant que chercheur. Alors, euh, un, un, une façon de procéder, c'est de partir de la complexité et ne pas oublier la complexité. Ça, c'est notre défi. Je crois que ce n'est qu'en comprenant et en prenant à bras le corps la complexité que nous pourrons aller de l'avant. La simplicité est l'outil du dominant. Deuxième point. Il existe des transformations considérables dans l'enseignement supérieur, dans le secondaire, dans le primaire et dans le préscolaire. Et beaucoup se fondent sur la vente d'outils et de plateformes à une génération qui est de toute façon déjà en ligne. Donc il y a un avantage à le faire, mais on part du principe que les élèves ont déjà des compétences acquises comme s'il si y avait un, un, un élève modèle. Quand on pose la question... Aux élèves euh, de ce qu'ils euh, savent, ce qu'ils croient savoir et ce qu'ils euh, pourraient euh, apprendre sur l'utilisation de ces euh, diverses technologies. Mais il y a aussi une affaire de contenu. Comme le dit la charte des droits de l'homme et des principes de l'Internet, le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à l'éducation sur l'Internet, ce qu'est l'Internet et ce que peut être l'Internet. Mais c'est également l'article 11, le droit à la culture et l'accès à la connaissance, qui est de plus en plus en ligne. Euh, on a beaucoup plus de recherches en ligne en temps réel que par le passé. Et euh, évidemment, les droits de l'enfant euh, dans un environnement en ligne, qui est un autre point très important. Alors, on ne peut pas déconnecter le... En ligne et le hors ligne et les séparer en silos, comme s'il s'agissait de deux façons de vivre dans le monde. Euh, L'IGF en tant que réunion avec les réunions de l'UNESCO, de l'ICANN et autres, sont des objets de recherche aujourd'hui pour les étudiants avec des archives de plus en plus conséquentes et qui intéressent de plus en plus. Donc il y a toute une série de méthodologies appliquées à ce que je suis en train de vous dire à ce moment, en ce moment même en utilisant des analyses de discours. Euh, une analyse de discours fondée sur le genre, et je regarde la démographie, et je cherche les enfants de moins de 15 ans, je cherche les étudiants. Euh, Est-ce qu'il y en a assez euh, C'est un objet de recherche, euh, gardons-le à l'esprit. La prochaine génération, donc, observe déjà la nôtre. Et je vais essayer d'en tenir à trois minutes. Euh, et mon dernier euh, commentaire, c'est de féliciter l'IGF, le MAG, le secrétariat pour le travail réalisé au cours des dix dernières années pour améliorer la participation par le biais de technologies. Et euh, je sais qu'il y a Webex, la plateforme que nous utilisons qui a été critiquée pour une série de régions, mais j'ai tous mes étudiants qui sont euh, en ligne pour suivre ce forum. On peut euh, participer euh, sans, sans prendre l'avion. Il reste beaucoup à faire. On peut encore améliorer la participation, mais n'oublions pas que c'est l'une des réunions des Nations Unies qui utilise le plus les technologies pour étendre l'accès et la participation de façon tout à fait réelle. Et je souhaite en féliciter les organisateurs. Mais in fine, c'est à chacun de décider qu'il est 3 ans, 13 ans, 23 ans, 93 ans. Merci. Merci, Marianne, pour ce message très fort d'inclusion. Ensuite, Coalition Dynamique sur les droits et principes MINDA et le lien avec la gouvernance de l'Internet. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire Vous avez la parole. Merci. Donc, je représente la Coalition des droits et principes de l'Internet qui fait partie de l'IGF. Il s'agit d'un réseau ouvert d'individus et d'organisations qui vise à ce que les droits de l'homme et les principes travaillent dans un euh, fonctionnent dans un environnement en ligne. Notre principal document, euh, Marianne en a déjà parlé, la Charte des droits de l'homme et principes pour l'Internet, publiée en 2011 et qui existe aujourd'hui en dix langues diversion linguistique, y, y compris euh, ma propre euh, langue maternelle qui est le portugais. Pour nous, les droits de l'homme et la jeunesse euh, est un, un, un magnifique intitulé pour un, une séance ici. Ce sont des questions importantes pour notre coalition et d'autres coalitions de la communauté IGF et dont nous parlons d a, déjà depuis une dizaine d'années. L'égalité de genre, les enfants, les droits de la jeunesse. Euh, également sont en, en, en droite ligne de, du travail que nous faisons, ce qui m'amène à une jeune personne que je connais, Eva, qui ne sait euh, pas lire, pas écrire, ne sait pas compter, ne comprend pas véritablement la différence entre bien et mal. Et si vous lui dites qu'elle est un être humain, elle va peut-être vous contredire. Mais. Elle euh, sait utiliser un appareil numérique pour euh, écouter des chansons, pour aller sur YouTube euh, et euh, pour regarder Peppa Pig. Elle a trois ans. Et euh, ce que j'essaye de dire, c'est que les technologies euh, numériques euh, sont l'environnement naturel de toute une nouvelle génération. un environnement sûr et protégé euh, doit euh, aller main dans la main avec l'autonomisation, l'autonomisation des jeunes. c'est euh, très important pour nous. et c'est euh, euh, ce que je voulais vous dire. Euh, et également, leur droit d'accès à l'information euh, doit être plein et qui ils doivent avoir euh, le droit de s'exprimer et partager leurs idées en ligne euh, en étant euh, protégés contre eux, la, euh, euh, le, 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 le cyberharcèlement, euh, le discours de haine et les publicités ciblées. Alors tout ça, c'est couvert dans la charte. Nous avons par exemple l'article 12, les droits de l'enfant euh, et l'Internet. Nous avons le droit de bénéficier des bienfaits de l'Internet, liberté contre euh, l'exploitation et les abus, euh, le droit de faire entendre sa voix et l'intérêt supérieur de l'enfant. Je crois donc que ce sont là des questions très importantes. Et au fur et à mesure qu'Eva va grandir, j'espère que notre travail de promotion de l'égalité de genre par le biais de la charte lui permettra. Quand elle sera une jeune femme, de pleinement participer à l'environnement en ligne, conformément à l'article 2 sur le droit à la non-discrimination dans l'accès à Internet, son utilisation et sa gouvernance, et notamment au regard de l'égalité de genre. Merci. Merci, Minda. Là encore, un, un message très fort. Euh, sur la, la protection de, de l'enfance et de la jeunesse. Et, et les deux dernières intervenantes euh, ont, ont fait référence à cet instrument très important euh, que la gouvernance de l'Internet a produit. Et maintenant, c'est à vous. Allez-y. Merci. Mon intervention concerne euh, véritablement euh, une série de questions plus que des réponses. Tout d'abord, comment faire en sorte qu'il y ait plus de femmes en ligne Comment peut-on euh, faire participer plus de femmes aux, aux discussions sur les politiques Avant de venir ici, on m'a transmis plusieurs demandes, euh, plusieurs questions euh, d'organisateurs euh, pour les intervenants. Oh, on a demandé des intervenants d'Afrique, représentants de genre, qui peuvent parler de sécurité. Et j'ai eu du mal à trouver. Parce que tous les noms que je trouvais étaient tous des, des hommes. Donc, euh, il y a toujours un, un défi majeur en la matière. Quand on regarde le thème, euh, l'Internet de confiance, euh, cette année, la question c'est aussi est-ce que... Les femmes font confiance à l'Internet. Il y a beaucoup de violences de genre en ligne euh, qui n'ont pas encore été traitées de façon suffisante à nos yeux. Je voudrais également euh, parler du travail de Wikimedia. Je crois que nous avons eu en mars, me semble-t-il, une activité en ligne. Euh, Wiki aime les femmes, c'était un mouvement. Euh, qui mettaient en lumière des, des femmes modèles euh, des femmes qui pouvaient donner espoir euh, aux jeunes filles qui veulent aller sur internet pour apprendre en toute sécurité pour pouvoir pleinement bénéficier de l'internet donc mon message c'est oui la gouvernance une forme de gouvernance nous a donné un, une plateforme pour certaines femmes, qui sont déjà autonomisées. Mais nous devons trouver des stratégies pour qu'il y ait plus de femmes en ligne, pas uniquement pour euh, participer au discours sur les politiques, mais aussi de façon tout à fait concrète pour assurer leur participation. Merci. Alors, merci, Minda. Alors, maintenant, Viviane Venagre du Brésil. Viviane, vous avez bénéficié de ces espaces encore rares, que la gouvernance de l'Internet a créée. Malheureusement, on n'en a pas encore suffisamment, mais vous allez nous en dire plus. Comment vous avez connecté votre vie, vos objectifs avec la gouvernance de l'Internet Qu'est-ce qui a été fait à ce stade Et de votre point de vue, qu'est-ce qui manque Merci Claudio, merci à tous de cette occasion qui m'est fourni. Quand on m'a invité à venir ici, on m'a expliqué qu'il s'agissait de partager mon point de vue dans, euh, sur le sommet au Canada euh, l'an dernier, le travail que nous avons fait à l'Observatoire de la jeunesse et euh, sur des questions notamment de droits de l'homme euh, tels qu'ils s'appliquent à la jeunesse. Alors, le sommet de la jeunesse américaine, c'est un, un sommet euh, dont l'idée fondamentale est de débattre de la façon d'inclure les femmes et les filles dans les sciences, la recherche, la technologie et notamment l'Internet. Moi, je viens du Brésil, d'Amérique latine. Je vois l'expérience et les débats du Canada, des États-Unis, de l'Europe, et, et qui me paraissent très différents. C'est-à-dire que les problèmes rencontrés par les femmes pour participer à l'Internet ne sont pas les mêmes. Donc ça a été une expérience très intéressante de voir comment les organisations, les sommets peuvent vraiment jouer un rôle pour la participation des femmes et des filles dans la technologie et dans l'Internet. Et pour ce qui est de l'Observatoire de la jeunesse, depuis 2015, nous avons travaillé à essayer d'inclure la jeunesse sur, dans le débat de la, sur la gouvernance de l'Internet. Alors, évidemment, nous avons. Font, euh, la question des droits. Nous essayons de transmettre aux jeunes le fait qu'ils ont des droits pour qu'ils puissent les défendre. On essaye de parler du discours de haine, du cyberharcèlement, droit d'expression et autres sujets très importants pour notre communauté. Il est très intéressant de voir comment, euh, en, en fait, il manque beaucoup d'informations. Par exemple, au Brésil, il existe des endroits où ils n'ont pas la moindre idée de l'importance de l'Internet. Donc, nous essayons de leur montrer que l'Internet leur donne du pouvoir et que grâce à cela, ils peuvent devenir ce qu'ils souhaitent et participer. Donc, pour pouvoir le faire dans toute l'Amérique latine, nous faisons notre propre LAC IGF. Euh, et, et maintenant, on n'est plus vraiment en Amérique latine, on est devenu mondial et nous avons beaucoup de projets et je crois qu'il s'agit de faire participer la jeunesse et les femmes et pour cela, il faut des projets qui soient spécifiques, qui leur sp soient spécifiquement destinés. Chaque région, chaque groupe rencontre euh, ses difficultés, ses problèmes et c'est la responsabilité de orga des organisations qui défendent ces droits, de trouver le meilleur moyen de les inclure dans les écosystèmes de l'Internet, dans euh, le monde euh, universitaire et scientifique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous demander de commencer à penser aux questions, aux remarques que vous voudriez euh, faire et aux initiatives dont vous voudriez parler. Ensuite, je vais donc donner la parole à Madame Goyal, qui est militante des questions de, de genre, et comment je voudrais vous demander la question pose la question suivante. Comment est-ce que votre travail s'articule avec la sur Internet? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à m'exprimer dans ce panel. C'est très intéressant d'avoir entendu toutes ces perspectives et j'aimerais peut-être me faire l'écho de certains points de vue qui ont été exprimés. Nous savons tous que quand nous parlons de la gouvernance de l'Internet, ça va au-delà de l'infrastructure. On parle des problèmes juridiques, sociaux, économiques, culturels, des problèmes de développement ainsi que des problèmes liés à l'infrastructure physique qui permet à Internet d'exister. Si on garde ça à l'esprit et qu'on s'intéresse à l'intersectionnalité dont nous parlons aujourd'hui entre la gouvernance de l'Internet et les questions de genre, de jeunesse et de droits de l'homme, et si on parle donc plus particulièrement aujourd'hui des questions de genre vis-à-vis euh, -vis des personnes handicapées, quand on parle de, de, de la jeunesse handicapée, si on parle des droits de l'homme et des droits des personnes handicapées en général, euh, par exemple par rapport à la Convention sur les droits des euh, enfants, ou on voit qu'il y a la Convention des enfants et la Convention de euh, la CRPD. Et on voit comment on peut vraiment faire un lien entre tous ces droits euh, de ces divers euh, groupes de personnes et euh, la cohérence de l'Internet. Par exemple, euh, la CRPD est vraiment euh, fondée sur. Euh, ces questions de droits. Donc, il y a des problèmes d'accès à la justice, d'accès à l'information, d'accès au de, le droit d'être vraiment une partie prenante à part entière de la communauté. Si nous arrivons à, à véritablement travailler sur ces droits, nous pourrons avancer sur notre discussion. Les objectifs. Euh, du millénaire pour le développement n'ont pas tenu compte des questions de, du handicap, mais les ODD ont inclus le handicap. Les objectifs de développement durable euh, parlent du fait de ne laisser personne de côté. Ça, c'est particulièrement important quand on veut euh, traiter la question des groupes marginalisés. Il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des lois et euh, des politique qui se fondent sur la CRPD, sur les ODD. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir ce qui se passe en général dans le Sud. Quand on parle des femmes euh, présentant handicap ou des jeunes présentant handicap, on parle d'accès à l'information. C'est un droit. Or, l'accès à l'information la est limité. Les étudiants utilisent encore un matériel très euh, Très euh, rudimentaire. Les infrastructures physiques euh, ne sont pas au point. Il y a un manque donc, de connectivité, un manque d'accès aux services de santé, de justice. Il y a des problèmes euh, liés à la sécurité sociale. Il n'y a pas assez d'aide de l'État. Et les jeunes et les femmes handicapées. Sont donc exclus des activités économiques, sociales et politiques. L'isolement est un problème énorme pour ces gens-là. Or, ce que peut faire Internet, c'est justement d'être une plateforme, une plateforme de connexion qui leur donne vraiment de l'indépendance. Ainsi, euh, grâce à Internet, on peut ces personnes peuvent retrouver le contrôle et l'indépendance. Beaucoup de femmes peuvent s'exprimer euh, grâce à Internet. C'est particulièrement vrai pour des cultures ou des sociétés où les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Internet leur donne alors la possibilité de d'exprimer leur point de vue, leur pensée. C'est vrai pour les personnes handicapées également, qui normalement n'ont pas la voix, euh, mais qui ont quand même euh, l'idée, qui ont la vision. Ce que fait Internet ou les espaces en ligne c'est en fait euh, justement de redonner du pouvoir aux femmes et aux enfants et aux jeunes handicapés qui sont autrement infantilisés par la société. La gouvernance de l'internet doit, doit on être inclusive. Il faut tenir compte des questions de sécurité, des questions de protection de la vie privée et ce pour tout le monde y compris pour les femmes et les jeunes handicapés. On parle toujours de principes, on parle de standards et aujourd'hui, très tôt, nous avons entendu quelqu'un dire que les principes sont toujours des lignes directrices, ce sont des plans, des projets, les standards sont des outils. Ce qu'il faut, c'est utiliser ces outils, développer ces standards pour faire en sorte que ces standards soient vraiment mis en œuvre. En Inde, par exemple, nous avons une loi qui a été récemment adoptée pour le droit des personnes handicapées. Et toutes les infrastructures doivent être, euh, doivent être adaptées d'ici 2019. Or, on n'a pas encore commencé à travailler là-dessus. Il y a une numérisation croissante dans tous les pays, mais il y a une fracture numérique énorme, aussi bien au niveau des infrastructures qu'au euh, euh, qu niveau social. Il faut donc euh, penser... A ceci, les principes, les normes, les principes communs de la gouvernance de l'Internet se resteront l'être morte tant que l'inclusion ne deviendra pas la norme. Il faut inclure systématiquement le genre, les jeunesse, mais toutes, également toutes, toutes les intersections. Merci beaucoup. Merci. Merci, midi. Je pense... Euh, je pense que vous nous avez euh, présenté non seulement votre point de vue particulier, mais vous nous avez également transmis un message général qui est euh, très pertinent euh, par rapport à la gouvernance de l'Internet en général. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Olga Cavalli. Vous êtes donc euh, un spécialiste de la technologie qui a intégré les droits de l'homme. Euh, à mesure de votre travail, vous travaillez pour le renforcement des capacités et vous promouvez non seulement ces droits, mais vous êtes elle-même, vous êtes elle-même, vous vous-même, pardon, un modèle pour les femmes et les filles. Vous voyez, c'est mon ami. Merci, merci beaucoup. Merci Claudio pour ces compliments. Merci pour euh, l'invitation. Et je dois dire que tout ce que je voulais dire, euh, l'intervenante la, 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 précédente l'a très bien dit. Nous avons, euh, nous organisons un, un programme de formation en Amérique latine sur la gouvernance de l'internet, et nous avons publié un livre qui, pour l'instant, a été écrit en, en espagnol, mais qui sera euh, bientôt traduit en anglais et en portugais. Donc, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous trouverez. Euh, ces versions disponibles bientôt. Alors, euh, par rapport à votre question, moi-même, je pense que l'Internet a vraiment beaucoup de conséquences positives sur la société en général. Il y a beaucoup euh, donc euh, de, de ces aspects qui ont été évoqués aujourd'hui. Et de manière générale, c'est très positif. Ce que nous avons réussi à faire, alors nous avons donné. La parole à des personnes qui autrefois ne pouvaient pas le faire. Il y a une nouvelle révolution qui a eu lieu par les réseaux sociaux. Et ça, auparavant, ce n'était pas possible. Je dis ça à mes étudiants, euh, parfois que je n'avais pas Internet au même âge, et ils me regardent et me disent Mais comment faisiez-vous Comment communiquez-vous avec vos enseignants, avec les autres étudiants Eh bien. Euh, on le, on, on le faisait plus ou moins bien, hein, mais on le on faisait. Aujourd'hui, nous avons vraiment la, la liberté d'apprendre, de communiquer, la liberté de nous exprimer. Nous avons l'accès à l'information, à l'éducation, et ça, c'est vraiment sont vraiment des choses que nous n'avions pas auparavant. Et je suis d'accord que tout le monde ne peut pas forcément participer. Nous avons euh, des Programme de participation en, li euh, en ligne. Et nous, nous avons réussi à faire beaucoup. Il reste encore à faire, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est d'agir. Nous parlons beaucoup, nous parlons beaucoup, notamment de l'inclusion des femmes, mais nous ne traduisons pas forcément tout cela en action. Et nous avons une déclaration d'action qui a été prise il y a quelques, il y a quelques années, et je, je vois qu'on parle beaucoup de l'inclusion des femmes et de, du fait de, de donner l'accès à Internet aux femmes et de leur donner des positions de leadership. On parle beaucoup trop, et finalement, je ne vois pas tant de résultats. Donc, il faut véritablement progresser là-dessus. Je pas... J'ai réfléchi plusieurs fois à euh, des questions de quotas pour les positions de leadership. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais il faudra y réfléchir. Cette, ce problème est certes plus visible. C'est vrai que les États et euh, les responsables de la réglementation, que ce soit au niveau des, des, des réseaux Internet, que ce soit les, les, les spécialistes, on est tous plus conscients de cela. Mais il faut faire un pas de plus. Il faut passer de la déclaration à l'action. Et dans l'école que nous avons organisée aujourd'hui, nous avons commencé en Argentine, nous avons commencé avec 30, 30 lycéens, des, euh, des, des garçons et des filles de 17 ans. Et on a parlé beaucoup des jeunes, mais on ne parle pas beaucoup des personnes âgées qui ont aussi des difficultés. Euh, d'accès à ces nouvelles technologies, ma femme, euh, ma mère, pardon, à 86 ans, euh, et euh, elle, a, elle a un peu plus de difficultés. Merci beaucoup. Merci, merci de nous avoir présenté vos initiatives. Je crois qu'il y a une intervention, euh, une autre intervention. Bonjour, je m'appelle Agnès. Euh, je suis euh, vice-présidente de euh, Grassroots Initiative. Je tra nous travaillons pour euh, accroître la citoyenneté digitale dans euh, les communautés je suis la modératrice des interventions en ligne et j'aimerais euh, dire aux auditeurs euh, qui sont en ligne dans différents pays que vous pouvez véritablement poser toutes vos questions vous pouvez euh, vous pouvez en participer euh, et donc nous aimerions entendre également votre point de vue de, ma de manière interactive. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des interventions euh, en ligne, des interventions à distance ouais, Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut, en fait, peut ouvrir le micro à mesure qu'ils euh, tapent leurs interventions. Alors, y a-t-il des questions Oui, il y, y a une intervention donc, de la salle. Voulez-vous vous asseoir C'est bien, voilà, c'est ça, ça qu'il faut faire. Merci beaucoup, bienvenue. Bonjour à tous, mon nom c'est Luisa Coches-Grigou, j'ai 22 ans, je suis brésilienne. Et je fais partie donc du programme de jeunesse de l'igf. c'est que chapeauté par le siga au brésil, Et je voudrais demander à marianne quels sont les changements structurels qu'elle suggère au sein de l'igf pour que la jeunesse participe plus aux discussions. c'est une question d'ailleurs qui, 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 qui concerne tout le monde. Comment faire pour qu'il y ait plus de participation des femmes et des jeunes au sein des panels et des présentations Je voudrais également poser une question à Monsieur John Carr. Si vous aviez été présent à Net Mondial, qu'auriez-vous euh, voulu faire figurer dans la déclaration si vous, avez, si vous pouviez n'inclure qu'un seul euh, principe, quel serait-il C'est un bon début. Merci beaucoup. Olga. Merci, merci pour votre question. Alors, j'aimerais ai, vous dire la chose suivante. Nous organisons, nous organisons plusieurs événements. Euh, C'est pas facile d'avoir des panels avec le même nombre d'hommes et de femmes. Pourquoi Parce que on invite des euh, organisations et on ne sait pas qui ils vont envoyer. On peut faire des recommandations, mais on n'est pas certain. Je vais vous raconter une anecdote. À euh, ICANN, j'avais une amie qui était donc membre du qui était membre de l'ICANN, qui venait du Singapour, et on, on organisait des panels sur le, le, le manque de, de femmes au, au, poste de, de, au poste clé à l'ICANN. Et nous avons invité des hommes pour parler de ça, parce que c'était des hommes qui dirigeaient ces organisations. Et ils ont tous envoyé des femmes, parce qu'ils ont pensé que, puisqu'il s'agissait d'un panel sur le genre, il fallait envoyer des femmes. Donc c'est très difficile. nous, on a une règle. Quand on organise une école de gouvernance dans l'Internet, on a, on a euh, véritablement au sein du personnel euh, dirigeant de l'école une parité homme-femme. Alors, c'est une critique que je comprends, mais je, je, vraiment, je vais vous dire, c'est compliqué à mettre en œuvre. Marianne, s'il vous plaît. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que... Nous, comme nous sommes ici dans, une, dans un contexte très formel, un contexte historique, ce n'est pas forcément un contexte hospitalier. Je pense qu'il faudrait permettre aux enfants d'accéder à, à ces forums. Peut-être il faudrait avoir euh, d'autres formes de participation, moins formelles. Il faut que l'on Change un petit peu les euh, conditions techniques pour que l'on puisse, euh, qu puisse y accéder plus facilement. Alors, on fait ce que l'on peut aujourd'hui, c'est un bon exemple pour euh, casser cette rigidité de, de, de l'organisation euh, conférentielle. On veut essayer de faire passer le, le, le micro le plus possible, mais. In fine, cette salle n'est quand même pas conçue pour les jeunes. Et donc, ce qu'on peut on peut peut-être essayer de vraiment de repenser l'architecture de nos, de nos réunions. Mais moi je suis en faveur des, euh, des, des, des autres en fait euh, réunions autour des réunions principales qui permettent d'inclure ces jeunes. Et il faut, il faut bien sûr trouver des ressources financières pour financer toutes ces initiatives, parce que ça demande beaucoup de ressources. Pour finir, alors, d'après moi, cette, cette réunion ne doit pas être l'occasion de s'entraîner pour les futurs diplomates. Ça doit être une réunion où... Euh, chacun doit pouvoir s'exprimer, et même au sein d'une même langue, il doit y avoir euh, plusieurs manières de dire la même chose, plusieurs moyens de, de s'exprimer. Il faut que tout le monde vraiment soit représenté. J'espère avoir répondu à votre question. Merci euh, beaucoup. Maintenant, euh, John, euh, qu'auriez-vous inclus si vous étiez présent Alors, tout d'abord. Euh, mettre les enfants dans une salle et leur demander ce qu'ils pensent de l'Internet, ce n'est pas faire participer les enfants. C'est de l'instrumentalisation, j'en ai trop vu. Et ça ne contribue pas. Peut-être que les organisateurs peuvent euh, dire voilà, oui, il y avait des enfants, ils étaient là, ils étaient très jeunes. Ils étaient. Euh, et c'était amusant, et c'était mignon, mais ça, c'est de l'instrumentalisation. Ça discrédite complètement toute idée de participation de l'enfant. Et j'ai des, des, euh, des amis adultes qui ont du mal à comprendre euh, la gouvernance de l'Internet et ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que quand on formule la question, en fait, c'est dans les recherches que l'on fait, de, de faire entendre les voix des enfants. Le seul IGF que j'ai raté, c'était le premier qui s'est tenu à Athènes. J'ai participé à tous les autres, sauf à Nettement Mondial. Ça, c'est sûr, on n'a pas pu participer parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et alors, j'essaie de, 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 de penser à, à, à une amélioration majeure depuis 2006 dans les AGF. Et vous savez, je peux, je peux vous dire que Google, Microsoft, Facebook, Snapchat et toutes ces entreprises d'Internet ont changé leur manière de faire des affaires en fonction des de, euh, changements d'Internet. Mais, mais je ne vois pas de changement euh, dans euh, la vie des enfants qui soit reflété dans la gouvernance d'Internet. Parce qu'on ne, on ne prend pas de décision. C'est un événement formidable, j'adore l'IGF, c'est un événement extraordinaire pour les gens comme moi qui s'intéressent à la politique de l'Internet. Mais on ne prend pas de décision. Donc si j'avais une chose à dire, ça serait que les entreprises doivent expliquer ce qu'elles font par rapport à la gouvernance de l'Internet et comment... Elles assument leurs responsabilités vis-à-vis des jeunes. Cela est inclus maintenant dans la loi en Union européenne. Le RGPD, euh, notamment, avec toutes les critiques qu'on peut en faire, présente quand même au moins un aspect absolument formidable, c'est que toutes les entreprises doivent faire une évaluation de risque du service qu'elles fournissent. Cela, veut, cela est particulièrement lié aux enfants. Et d'ailleurs, au passage, un enfant, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Et les, les entreprises sont obligées d'évaluer ce qui se passe quand les enfants utilisent leurs services. Beaucoup d'entreprises le faisaient, beaucoup d'entreprises ne le faisaient pas. Et moi, j'aimerais que ça, ce soit un principe de la gouvernance de l'Internet. Si vous êtes une entreprise de l'Internet, vous devez penser à qui sont vos utilisateurs et quelles conséquences. Services peuvent avoir sur vos utilisateurs. C'est un petit peu compliqué à exprimer en langue diplomatique, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. Merci, merci beaucoup. Nous avons une, une autre intervention de monsieur Jerry Ellis. Merci, Jerry. Oui, bonjour. Jerry Ellis, je m'exprime donc depuis le siège, si ça ne vous dérange pas. Donc je représente la coalition dynamique sur l'accessibilité et, et et, et le, le handicap, mais là je vais m'exprimer en mon propre nom. J'aimerais parler un peu du handicap d'un autre point de vue. Mais je suis moi même euh, malvoyant. Nous sommes à deux jours. Enfin, et, et, pardon, il y a deux jours, euh, c'était le centenaire de l'armistice. Nous avons célébré cela à Paris. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, on a, euh, on a créé les Nations Unies. Le premier traité a eu lieu à Paris, le premier congrès a eu lieu à Paris, avant que le siège ne déménage à Genève. Et la déclaration universelle des droits était la première production de cette société de nation. Mais à l'époque, il y avait une vision du handicap qui était telle. Nous étions malades pour eux et il fallait être soignés. Et donc, les déclarations internationales euh, avaient, avaient un point de vue très médical sur le handicap notamment l'OMS avait un point de vue très médical. Et il y a eu des mouvements pour les droits des, des personnes handicapées qui ont commencé et nous avons réussi enfin à, euh, à, à, à faire passer ce, cette idée que les personnes handicapées euh, avaient, avaient leur propre euh, avec leurs propres droits, leurs propres droit, leur propre, euh, nécessités. Et la déclaration euh, sur le droit des personnes handicapées de 2006 redonne, repense la chose complètement différemment. Ce n'est pas... La personne handicapée qui est malade, c'est l'environnement qui est défaillant, qui n'inclut pas cette personne handicapée. Ça, ça change complètement la donne. Les, les solutions que l'on propose aux personnes handicapées, euh, j'aimerais parler de ça, euh, sont, sont parfois problèmes. Les, les, les personnes handicapées ont un double handicap. On, pensait, on a pensé longtemps que euh, les personnes malvoyantes ne pouvaient pas contribuer à Internet. Or, si, ils peuvent. Ils peuvent via, il euh, on peut, on, en fait, on et et ah, enfin par exemple, c est, c est, c est, il y a quand même encore cette, cette, cette ce problème d'accès à Internet. Par exemple, une personne malvoyante ne peut pas utiliser Internet et contribuer en fait à exemple, aux ateliers d'aujourd'hui, sauf s'il y a personne voyante à côté. Euh, même la technologie parfois n'est pas accessible ou la formation n'est pas, euh, pas euh, accessible pour les personnes handicapées. Donc, très souvent, les personnes handicapées sont, sont en fait exclues des solutions que l'on trouve pour les autres. Il y a donc la conception universelle qui est d'inclure les, les personnes handicapées à tous les niveaux. Il ne s'agit pas. Euh, d'avoir il ne s'agit pas en fait d'avoir une solution unique, il s'agit de, de faire en sorte que tous les systèmes soient adaptables et soient accessibles à tous. Aujourd'hui, il y a 11 autres réunions qui ont lieu en même temps que maintenant. Et donc si vous voulez, vous pouvez lire les rapports de toutes de tous les... Euh, et de, tous les, euh, de tous les, euh, toutes les réunions qui, qui ont eu lieu. Et on a, on a par exemple, étudié les, 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 les rapports des autres IGF qui ont eu lieu avant. On a se demandé combien de fois on avait mentionné le genre, combien de fois on avait mentionné le handicap, etc. Donc, pour nous, en fait, pour que les personnes handicapées aient accès au service, il faut simplement que tout soit bien conçu. Merci, Jerry, effectivement. Euh, on va essayer maintenant de passer aux questions à, à, à distance, Katarina, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, euh, j'avoue. Alors, nous avons Eileen du Portugal, de Digital Grassroots, qui pose une question qui euh, vous demande si toutes les en entreprises euh, vont euh, appliquer la directive de la protection des données euh, et si c'est la bonne solution pour la protection de la vie privée et des données personnelles. Quelqu'un au panel euh, les, les gens qui attendent pour, pour euh, intervenir Katharina, si vous êtes toujours là Si vous êtes disponible Shahul Oui, j'ai une question. Il y a une intervention en ligne par Webex. Je voudrais vous la lire. Mic, okay. um, from online, from question du Kenya. Qui s'adresse à tous. Qu'est-ce qui doit être fait, à votre avis, pour améliorer l'accès pour les personnes âgées en ligne Qu'est-ce qui doit changer Est-ce qu'ils euh, ils ont des droits auxquels ils n'ont plus accès euh, Par exemple, le droit à l'information parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. Merci. Alors, le panel, merci d'être bref dans vos réponses pour que nous puissions continuer cette participation. Alors, et les différentes générations de technologies doivent rester sur le marché, tout simplement. Ce que vous utilisez maintenant, vous saurez toujours l'utiliser à 80 ans. Ça aura l'air un peu vieux pour les enfants de l'époque. Donc, euh, il faut euh, euh, une rétroadaptation, une rétrocompatibilité et que tout soit, euh, reste sur le marché pour qu'il n'y ait pas d'obsolescence programmée des technologies. C'est ainsi que toutes les générations continueront à pouvoir communiquer les unes avec les autres comme on l'a toujours fait. Des téléphones à l'ancienne, par exemple, pour commencer. Oui, merci. Euh, ici, bonjour, je vais m'exprimer en espagnol. À Annabella Rivera, je viens du Guatemala. Et habituellement, à mon âge, on raconte des histoires. Donc, je voudrais vous raconter une anecdote concernant une bonne pratique dans notre région, en Amérique centrale. La coopérative Sulavatsu du Costa Rica a lancé il y a quelques années un projet très réussi pour former des euh, filles et des jeunes femmes à la pratique de l'Internet et au TIC. Avec l'aide de Google, nous avons ensuite réuni plusieurs organisations euh, centra-américaines qui travaillaient en matière de liberté d'expression ou travaillaient auprès des jeunes. Nous avons donc formé un collectif, TICAS, euh, la voix des jeunes. Euh, femmes d'Amérique centrale, des jeunes femmes et des jeunes filles. Et je voudrais vous en dire un peu plus sur ce que cela a représenté pour les femmes et les filles euh, euh, autochtones euh, rurales dans mon pays, le Guatemala. Euh, je, je suis d'accord avec ce que beaucoup d'entre vous avaient dit, de, avec vos préoccupations, mais je voulais en particulier vous dire ce que ce programme a représenté pour euh, ces jeunes filles, un, es un espace d'espoir, non seulement d'accès aux technologies. Euh, mais aussi euh, au développement. Nous avons eu les 100 premières diplômées autochtones rurales euh, au Guatemala en matière d'apprentissage des technologies et euh, elles, elles ont euh, également pu participer au euh, euh, hackathon de euh, l'UNESCO euh, avec euh, les jeunes filles du Salvador et du Honduras, les pays voisins. Et nous avons également une formation de technologie, euh, mais aussi en matière de prévention des violences, de racisme, de lutte contre le racisme et contre la discrimination. Et dans d'autres pays d'Amérique latine, ce programme a également été une réussite. Aujourd'hui, nous faisons face, comme d'habitude, aux défis de ces jeunes filles qui, ayant terminé... Leur formation étant diplômée, doivent maintenant retourner dans leur communauté rurale euh, euh, autochtone euh, à euh, faire la cuisine ou à travailler dans les champs. Mais nous avons semé euh, l'espoir et nous espérons qu'à l'avenir, des jeunes filles de tous les pays de la région euh, pourront euh, se satisfaire d'avoir pu participer à ce projet. Et moi, je suis très optimiste quant aux efforts réalisés par l'IGF en Amérique latine et dans l'ensemble des pays où nous sommes présents, parce que nous pensons que nous avons véritablement contribué. Merci. Merci infiniment de cette intervention très intéressante. Vous avez la parole, allez-y. Je voulais simplement ajouter quelque chose. Quant aux deux précédentes questions, euh, euh, c'est-à-dire à la fois les personnes âgées, mais aussi les jeunes, les enfants, le genre. Quand nous euh, parlons d'accès universel, c'est la question de la conception euh, conviviale euh, euh, qui est toujours en cause. Si vous créez euh, quelque chose de convivial, normalement, il est euh, facilement accessible à tous tous donc la conception conviviale c'est celle qui s'adresse à tous donc ça c'est un point important deuxième point les enfants et les groupes divers quand nous disons la, les personnes handicapées ce n'est pas un groupe homogène eh bien les enfants non plus ce n'est pas un groupe homogène à part les diversités habituelles, culture, géographie, le handicap, ce n'est pas uniquement les jeunes ou les femmes, c'est aussi les enfants. On a par exemple les enfants autistes. On a beaucoup appris dans les différentes séances sur l'utilisation de l'internet pour les interactions sociales pour les personnes qui ont un handicap non visible et c'est une considération pour les enfants. Il y a plusieurs aspects invisible euh, euh, des anxiétés sociales des problèmes d'interaction sociale donc il y a plusieurs modalités euh, d'intégration euh, qui peuvent être très importantes et autre point très important nous parlons également du genre et il faut penser à toute la gamme du genre et à l'inclusion des euh, personnes euh, transgenres ou qui ont une identité de genre fluide, parce que la gouvernance de l'Internet est euh, très importante pour ces personnes qui parfois sont ostracisées et isolées dans leur communauté. Et il y a beaucoup de recherches qui démontrent et d'articles qui démontrent que c'est en ligne que ces personnes se redécouvrent et communiquent avec le monde. Donc il y a beaucoup de diversité. Il faut être très inclusif, revenir au slogan qui a déjà été dit ici, euh, Rien sur nous sans nous. Quand nous essayons euh, de penser à la production de savoir, quel que soit le sujet, il faut intégrer les personnes concernées. Merci. Renata, oui, je suis Renata Keno. Euh, je suis l'une des modératrices dans la salle. Euh, vous m'avez vu dans la salle. N'hésitez pas à monter à la tribune, tous les uns et les autres qui êtes dans la salle. Cet espace est à vous aussi. Alors, nous avons maintenant un, une intervention très intéressante du coordinateur de euh, euh, la euh, euh, coordination dynamique pour les petits États insulaires en développement. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui sont inscrits. Euh, n'hésitez pas à venir, mais si vous préférez rester en salle, vous pouvez. Oui, euh, vous avez la parole. Alors, je viens d'un petit état insulaire en développement et nous comprenons qu'il y a divers degrés de séparation à considérer. Il y a le genre, il y a la jeunesse, il y a le handicap. Il y a les personnes sachées. Et puis, il y a les régions peu connectées. C'est encore une autre question. Comment traiter euh, cette question Comment assurer euh, l'accessibilité Comment les faire venir dans un forum tel que celui-ci pour qu'ils se fassent entendre Comment monter le volume euh, de ces voix Ça, c'est très important aussi. Il ne s'agit pas uniquement de genre, de jeunesse, de handicap, etc ces groupes existent, mais il y a d'autres couches qui s'y superposent, les régions isolées, peu connectées. Donc voilà, c'était le point que je voulais soulever ici. Merci. Merci. Y a-t-il euh, des réactions Eh bien, en fait, j'allais réagir à la dernière intervention. Quand je pense à l'inclusion de genre de la jeunesse, je pense à des... Euh, Projets. Par exemple, nous avons eu un projet pour les femmes, euh, pour aider les femmes à accéder à leurs droits et aux emplois, mais aussi en termes d'intégration de la jeunesse. Nous avons également eu un projet l'an dernier, la Société de l'Internet, avec l'Observatoire et, et d'autres organismes. Il s'agissait de formation, euh, intégration des projets, de euh, s'adresser à des enfants et à des jeunes et, et essayer de les faire participer sur les questions relatives à l'Internet de manière générale, la gouvernance de l'Internet. Donc pour assurer une meilleure inclusion dans ces euh, écosystèmes, euh, comme BPF Gender, nous avons des rapports très importants. Et c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Merci. Alors, nous avons une demande d'intervention. Katharina, Shaoul sont toujours en ligne, sont toujours listés. Sinon, nous avons Valentina. Merci de nous rejoindre. Thank you Allez-y, vous avez la parole. Ah, une minute de pouvoir. Bon, j'ai été très inspirée par la couleur. Bleu, vert, violet. Euh, et pour euh, euh, moi, c'est euh, euh, un arc-en-ciel. Alors, jeunesse, droit de l'homme... J'étais un peu inquiète, j'avais l'impression que ce serait le discours habituel, mais il y a une chose extraordinaire sur l'Internet, c'est la liberté d'expérimenter de, et de découvrir son identité ou ses identités. Et c'est ça la sexualité, si nous parlons de jeunesse, et eh bien c'est un moment d'expérimentation et de fluidité, c'est très important. Donc qui souhaitons-nous avoir ici Ce n'est pas simplement une question de débats euh, au début les femmes du sud ne participaient pas. est-ce que nous pouvons offrir euh, un espace à toutes les diversités pour qu'elles s'expriment? ou est-ce qu'on va en laisser le côté? parce que l'internet est aussi un lieu où la diversité euh, est sanctionnée. mais c'est aussi un lieu de plaisir et il faut le rappeler à tous. donc si nous parlons de droits de l'homme, oui. Euh, et cela sous-tend tout le reste, mais il faut y intégrer la diversité. Et lorsqu'on parle de la jeunesse et même des moins jeunes, on parle de toutes les couleurs et de toutes les différences que nous voulons intégrer. Ce n'est pas seulement l'autonomisation, c'est donner le pouvoir, le pouvoir de ce siège sur lequel je me trouve, le pouvoir de parler. Moi, j'ai là un micro et je peux parler. Ça, c'est un pouvoir. Et puis, c'est une question également de solidarité. Merci. Merci. merci, merci infiniment, merci au panel. C'est très pertinent. On n'a pas le sentiment que le temps passe dans cette réunion, mais nous n'avons plus de 10 minutes. Donc, je vais demander, vous demander d'intervenir une autre personne en salle et c'est tout ce que nous aurons à notre disposition. Oui, allez-y. Nicole Perry-Patterson. Euh, je, je travaille pour ChiliZIT euh, et euh, également une ONG euh, euh, qui s'occupe d'autonomisation de, des femmes et autres questions relatives aux femmes. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup entendu cette semaine ici parler d'initiatives multiples qui concernent les TIC et le genre. J'étais ravie, l'une des raisons pour lesquelles je suis également ici. Je crois que c'était la dame du Guatemala qui parlait il y a un moment de l'initiative euh, qui a été mise en œuvre en Amérique centrale et c'est exactement ce que nous essayons de faire. Et également, on l'a fait avec le, euh, le hackathon des, euh, des jeunes filles euh, qui a rassemblé cinq pays. Mais ce que nous voulons aussi, c'est de participer. Euh, d'avoir des bonnes pratiques. J'ai participé au forum des bonnes pratiques plus tôt euh, aujourd'hui. Donc s'il y a des opportunités par le biais de l'IGF, par le biais de sciences telles que celle-ci, d'avoir une plateforme interactive qui partage de vraies informations sur les initiatives qui, qui existent, qui sont en cours pour pouvoir faire les interconnexions et euh, pour aboutir aux objectifs. Que nous nous sommes établis. Merci, merci infiniment. Sébastien Vous allez peut-être terminer. Donc, Sébastien Bacholet, je suis un activiste de la diversité. Le reste n'est pas très intéressant là pour maintenant. Euh, je voudrais dire, je n'ai pas préparé d'intervention, mais je voulais dire plusieurs choses à la suite de ce qui a été dit aujourd'hui. Oui, cette salle n'est absolument pas faite pour ce qu'on est en train de faire mais elle n'est pas faite pour les jeunes, pour les euh, euh, enfants, pour les femmes, pour les hommes, euh, ni pour les vieux. Ni... Elle n'est pas faite pour ce qu'on fait. Donc euh, si un jour on veut réfléchir à comment est-ce qu'on améliore euh, le forum sur la gouvernance de l'Internet, c'est peut-être euh, arrêter d'aller dans des lieux qui sont faits pour nous formater et pas pour euh, améliorer la fluidité dans tous les sens du terme que vous voulez. La deuxième chose, c'est que... On peut tous rêver que tout le monde un jour sera dans la même salle. Mais pour moi, ça, ça s'appelle le monde. Et l'outil qu'on a pour ça s'appelle Internet. Alors faisons en sorte que les 6 milliards d'individus sur la Terre aient accès à Internet et développons des outils pour permettre à ces 6 milliards de participer à la réflexion. Parce que si on voulait les avoir tous dans cette pièce-là, nous n'y arriverons jamais. Donc il est vraiment important qu'on réfléchisse autrement, qu'on sorte un peu de la boîte. Et c'est important qu'on ait des enfants, c'est important qu'on ait des jeunes, mais c'est aussi important qu'on ait des vieux. Et je me revendique comme étant de, de, de ceux-là, pas très vieux, mais vieux. Et donc, euh, euh, et, et arrêtons d'opposer les uns aux autres. Nous sommes tous uniques, tous avec des différences. Euh, on peut dire il y a des endroits où euh, on n'a pas accès à Internet. Dans mon petit village euh, de la Bourgogne. Euh, eh c'est très compliqué d'accéder à Internet. Euh, des gens doivent faire euh, quelques kilomètres de voiture pour pouvoir utiliser leur téléphone portable. Euh, ça n'est pas que dans les pays en voie de développement, c'est aussi ici que ça existe. Et donc tout ça fait que notre diversité, à chacun, elle est, euh, elle, il faut les mettre ensemble et faire en sorte qu'on trouve des solutions collectives. Mais ne rêvons pas d'être tous ici dans la même salle. Et merci beaucoup à tous les panélistes et à tous les participants. Merci Bienvenue beaucoup. en France. Thank you very much, merci, merci infiniment Sébastien. Très intéressant là encore. Alors, nous, nous avons effectivement une question de collectivité d'une de nos intervenantes, donc nous avons encore un peu de temps. Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Je viens euh, d'Ouganda, je suis avocat des droits de l'homme. Je fais partie de la défense Initiative. Hein. Et j'aurais deux aspects à soulever. Tout d'abord, c'est très utile de parler de participation des jeunes dans euh, un contexte de paix. Mais nous avons des jeunes, des femmes et des enfants qui sont enfermés dans les guerres. Nous avons des, des, des conflits au Yémen, en Somalie, au Congo et dans d'autres régions. Quelle est la stratégie de l'IGF pour toutes ces personnes Quelle est leur place dans la gouvernance de l'Internet Il faut aussi traiter cette question, utiliser les ressources de l'Internet pour mettre un terme aux conflits, pour mettre en lumière. Les, les abus, les abus qui sont pour la plupart contre les femmes ou contre les enfants. Et il y a aussi euh, en Afrique et dans mon propre pays euh, de plus en plus de difficultés. Par exemple, vous avez une taxe sur les utilisations, euh, l'utilisation des réseaux sociaux qui affecte les jeunes et bien entendu les, les femmes. Il nous faut des recommandations. Et une action des gouvernements, des gouvernements qui de plus en plus utilisent la fiscalité, la législation contre la liberté d'expression, surtout en ligne. Donc voilà, ça ce sont des sujets qui me paraissent brûlants pour, pour l'IGF. Nous n'avons plus que quelques minutes, je ne sais pas si on pourra le faire. Merci, c'est effectivement. Alors. Je, je crois que l'IGF a, a du moins euh, suivi les évolutions des, des connexions de l'internet. Euh, la, la question des conflits est évidemment une question grave et, et, et sérieuse et, et qui s'ajoute à ceux dont nous parlons déjà. Alors nous en avons maintenant terminé. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons donner la parole à nos panélistes pour quelques remarques de conclusion. Merci à tous pour votre très riche participation. Alors, tout d'abord, je voulais simplement juste remercier tous les intervenants, que ce soit ici ou dans la salle. Tout a été très utile. J'ai pris beaucoup de notes. Et une chose que j'apprécie tout particulièrement, et je crois que ce débat a apporté beaucoup de nuances qui souvent manquent dans nos discours habituels sur ces sujets. Ça, c'est très important. Par exemple, l'un de mes collègues ici qui à parler de la protection des droits des enfants et des femmes euh, tout en évitant de les infantiliser. Ça, c'est une nuance critique. Donc, je voulais simplement remercier tous ceux qui avaient contribué. Il faut également garder à l'esprit qu'aucune de ces questions n'est binaire, hein. rien n'est simpliste et ces complexités doivent être prises en compte. Par exemple, on parle du droit à l'éducation, mais c'est aussi le droit à une éducation qui va préparer la prochaine génération à l'ère numérique. Donc, ce n'est pas uniquement le droit à l'accès, le droit à l'éducation, mais aller plus loin et, et poser ces questions complexes. Merci. John. Il y a une chose que je voudrais dire. Et d'abord, je dois en, en préface vous dire que je n'ai jamais voté conservateur euh, euh, en, dans ma vie, pas une seule fois, je ne peux pas m'imaginer le faire, mais que c'est un premier ministre conservateur qui a lancé un examen de la commercialisation et la sexualisation de l'enfance qui a été confié à Rich Bailey, un, un, un distingué chercheur. Si euh, ça vous intéresse, recherchez ce rapport sur Google parce que ce rapport a démontré de façon très sérieuse, et d'ailleurs ça a été très bien reçu euh, par beaucoup, c'est la façon dont plusieurs aspects de ce que l'Internet contribue au monde mine la confiance, en particulier des jeunes filles, en créant des idées, des images de ce à quoi la fille parfaite doit ressembler projetés, répétés, multipliés par les réseaux sociaux. Et donc, ces aspects-là de ce que fait l'Internet euh, méritent réflexion et quelle réponse y apporter Et l'une des choses qui sont apparues en particulier de, dans ce rapport, c'est qu'au Royaume-Uni, nous allons essayer de restreindre l'accès à la pornographie légale adulte aux adultes. Ça signifie que des enfants des jeunes qui ne participent pas au débat sur la gouvernance de l'Internet, y compris les enfants de 7, 8 ans, limiter les possibilités, en particulier des très jeunes, euh, d'être exposés à des images sur Internet qui ne peuvent leur faire pas le moindre bien, très certainement, et ne peut absolument pas les aider à se faire une idée de ce qu'est la sexualité, de ce que sont les relations. Et je le mentionne parce que si vous n'avez pas entendu parler de ce rapport, la commercialisation et la sexualisation de l'enfance, ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un coup d'œil. Merci John, merci pour cette réflexion. Oui, J'ai deux choses à dire. Tout d'abord, 65 millions de personnes sont déplacées à cause du changement climatique et des interventions militaires, c'est-à-dire des guerres. Et après l'alimentation, le principal pour ces personnes, c'est leur téléphone portable. Et ce téléphone portable leur est souvent pris, confisqué, lorsqu'ils arrivent à un point de destination. Réfléchissez-y. Donc, deuxièmement, quand on parle de diversité, allons au-delà de la diversité. Continuons à travailler sur la diversité démographique, mais ajoutons aussi la diversité des technologies, la diversité des plateformes, la diversité des applications pour toutes les générations, pour qu'il y ait plusieurs sortes d'applications, d'outils technologiques permettant aux uns et aux autres de... de de communiquer parce que la concentration sur les marchés de la conception et des conditions d'utilisation devient alarmante et n'aide pas la compréhension technologique, alors que l'Internet était censé faire ça. Merci. Minda. Merci. Je voulais peut-être simplement conclure en disant. Que la coalition des droits et principes de l'Internet a beaucoup de travail à faire et nous allons travailler pour que le cadre des droits de l'homme s'explique aux technologies existantes et émergentes dès la conception. Je crois que cela permettrait à l'essentiel de ce que nous avons dit. Ici, sur le genre, les femmes, l'égalité de genre, le droit d'accès à l'Internet, le droit à la non-discrimination, euh, dans l'accès, l'utilisation et la gouvernance de l'Internet, permettrait également à chacun de faire entendre sa voix. Merci. Alors, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Allez-y, vous avez maintenant le temps d'intervenir. Alors, au début, j'avais commencé par dire que j'avais plus de questions que de réponses, mais j'ai écouté chacun dans la salle et les autres intervenants. Je crois qu'il y a un élément qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, la responsabilité en ligne. On veut plus de femmes en ligne, on veut plus de jeunes en ligne qui utilisent ces outils, mais la question de l'utilisation responsable de l'Internet. Doit être posée. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'abus euh, et de harcèlement en ligne sans responsabilité. Euh, avant cette séance, il y avait une autre séance organisée par l'UNESCO sur euh, euh, la lutte contre la radicalisation des jeunes en ligne. Et je crois que c'est ce que disait mon frère d'Ouganda. Euh, nous devons faire en sorte que les jeunes et les femmes qui sont ciblées principalement. Par ces activités en ligne, peuvent bénéficier des avantages de l'Internet sans se retrouver euh, happés par ces activités euh, extrêmes en ligne. Alors, effectivement, il y a un problème de sécurité, il y a l'accès à l'information, mais euh, il y a aussi l'utilisation responsable. Parce que l'Internet peut être utilisé comme un outil pour le bien, mais aussi pour le mal. Et ça, euh, il faut le garder à l'esprit. Merci. Je crois que. Euh, on euh, ne peut euh, jamais trop insister sur cette question. Viviane, oui, je partage les préoccupations de, euh, des collègues ici. Nous savons que euh, l'Internet n'est pas toujours un, un environnement très euh, euh, sain pour les femmes et les, euh, et les jeunes. On a parlé euh, beaucoup des abus en ligne. Je crois. également que nous devons inclure mais aussi éduquer et protéger euh, ces euh, femmes, ces jeunes, ces personnes handicapées que nous incluons sur euh, Internet. Donc, je euh, voulais remercier le panel, je voulais euh, remercier l'ensemble des organisateurs de, des initiatives qui traitent de, des droits de l'homme sur Internet, du genre, de la jeunesse, parce que vous rendez l'Internet plus inclusif et plus divers. Merci. Merci, Vianne. Merci pour votre participation. Maintenant, euh, merci beaucoup. C'était très intéressant de, de, de participer à ce forum. Je voudrais continuer, re, ce, 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 re, revenir sur ce qui a été dit. Il faut vraiment être conscient de la convergence entre ce qui se passe euh, hors ligne et en ligne. Euh, notamment, il y a des, des problèmes de sécurité, d'harcèlement. Qui se, produisent, euh, qui se produisent en ligne. Et il y a des solutions hors ligne. La deuxième chose que je voudrais dire, c est, c est, je voudrais euh, conclure sur une note positive, c'est que pour beaucoup d'entre nous, pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes handicapées, pour, pour beaucoup d'entre nous euh, qui représentons la diversité, Internet a été vraiment un lieu de libération un lieu où l'on peut s'exprimer pleinement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Pour beaucoup, c'est un lieu où l'on peut véritablement exister, s'exprimer. C'est pourquoi avoir des cadres et des principes inclusifs est d'autant plus important. Parce que quand euh, quelque chose qui doit vous permettre de vous exprimer devient un obstacle. Quand il y a des problèmes d'accès, des problèmes d'obstacles au sein même de, 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 de cela, alors l'impression d'aller retourner en arrière au lieu d'avancer. Et donc il faut garder ce principe, rien sur nous sans nous. Merci. Olga. Merci Claudio. Donc pour conclure. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Nous avons chacun nos agendas, nous avons nos objectifs euh, propres pour euh, l'intégration et euh, pour mieux traiter différents groupes au sein de l'Internet. Ce que j'ai déjà dit, c'est que, que, comme d'ailleurs l'a dit Nidhi, Internet a été un outil extraordinaire pour notre libération. Alors, je répète ce que j'ai déjà dit. Si nous avons une idée, il faut la tra traduire en actes. Il y a quelques années, il y avait très peu de gens qui participaient euh, d'Amérique latine aux, aux IGF. Il y a euh, 3000 euh, participants euh, dans notre, à notre école et d'autres encore qui participent en ligne. Nous n'avions pas de livre, nous avons créé un livre. Si vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, il faut le faire il faut agir. Merci beaucoup. Je, compre, je vois bien qu'il y a eu d'autres euh, questions qui voulaient être posées. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes à mesure que euh, la conférence avance, mais il y a la contrainte du temps. Donc, merci pour votre temps, merci pour votre patience. Et pour finir, je voudrais demander à tout le monde de venir sur scène et de prendre, euh, si vous voulez qu'on prenne une photo. Euh, avec les panélistes, parce que c'est ça vraiment notre idée de l'IGF. G... Un IGF participatif. Vous participez véritablement à la scène et au programme. Donc, tout le monde, venez. On va prendre une photo de tous les participants. Et merci à tous les participants en ligne et à tous les organisateurs venus du MAG. Venez tous. Et je euh, je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas eu le temps euh, d'intervenir, mais il y a là ce moment qu'on peut euh, immortaliser. Euh, donc euh, venez tous sur scène. Pour ceux qui sont dans le fond, aussi venez, euh, prenez une minute ou deux. Merci beaucoup pour toutes ces interventions formidables. Euh, donc, euh, joignez-vous à nos panélistes et euh, également ceux qui sont en ligne, restez connectés. Venez tous sur scène, donc. Merci beaucoup d'avoir participé et euh, souvenez-vous, c'est vous qui décider du programme de l'IGF. Si vous aimez, si vous avez aimé ce format, eh bien vous pouvez en parler. Euh, vous pouvez en parler avec nous. C'est important que, pour nous que les sessions soient plus interactives. Donc, euh, voilà, je j'attends je, je, encore quelques secondes que tout le monde arrive. Et voilà, on va prendre votre photo. Voilà, 1, 2, 3. Allez, bravo. Merci beaucoup. Merci à tous.